אז מה השם רוצה מאיתנו? למה היום אנחנו פה? למרות שיש משפחה, קרובי משפחה, לא יודע, אבל כל אחד שפה יש לו מסר. ואמרתי להם שהיה לי תקופה בחיים שלי שאיבדתי את אמי, זיכרונה לברכה, גם חבר, גם בכמה חומרים, בכמה מסביבה, מכמה סוג של סביבה. אז שאלתי את חב, שהייתי מקורב, הרב יותד בן שטחית, ואמרתי לו, מה השם רוצה ממני? למה אני רואה את המוות מכל, מכל... Donc, j'ai demandé à Jonathan Messetri, j'ai dit pourquoi est-ce qu'Hachem il me confronte à la mort dans tous, dans tous mes cercles, du plus proche au moins éloigné. Et il m'a répondu quelque chose. Il m'a dit, Hachem il te confronte à ça, c'est une invitation à vivre. C'est une invitation à vivre. La question elle est maintenant, quand on est confronté, parce que des fois on est aussi du préserve confronté à aller voir des endeuillés. Des fois on assiste à un enterrement. Ça peut arriver. Pourquoi est-ce qu'Hachem, et on n'est pas tous à tous les enterrements et à tous. Donc quand moi je me retrouve dans une situation pareille, et au passage, nos maîtres ils enseignent que c'est plus grand d'aller dans une maison d'endeuillé que d'aller à un mariage. On sait que la mitzvah de Khatan Vekala elle est énorme. Hein? Gam alakhnu yodim, c'est yoter khashuv. חכמנו הקדושים אומרים לנו שאם יש לך בחירה או ללכת לבית אבלים או ללכת לחתונה אומרים לך ללכת לבית אבלים זה יותר חשוב למה? כי בבית אבלים אתה מזכיר לך זה מזכיר לך מה זה החיים יש קץ יש תוכנית יש זמן העולם לא הפקר alors première des choses c'est que on est là maintenant pour apprendre à le fait qu'on a la soeur Bessiat El Ishmaïa, Hachem, il nous aide à ressortir d'ici avec des éléments qui vont nous permettre de vivre encore plus notre vie intensément. La vie, elle est courte, kerefain, comme un clignement d'œil. Quand on a côtoyé des gens qui sont partis, on se rend compte de cette réalité. Qu'un jour, on déménage dans un studio en longueur. Un jour, on déménage. Et notre neshama, elle passe à autre chose. D'ailleurs, on ne dit pas quelqu'un qui est mort. On dit qu'il est niftar. Niftar, c'est patour. Il a été, comme il a été licencié. Quelqu'un qui était licencié de son bureau et qui travaille là, qu'est-ce qu'on dit ? On dit qu'il est niftar. Il est patour. Pas trop automatne ma avoda, varchav ou bavoda acheret. Ota davar, ima neshama. Pas trop otam, ya olamaze, varchav ima avoda acheret, olamaba, olamot. Alors, si Atal Ishmaïa, maman, je suis dans les mots, j'aimerais ce soir vous donner un cadeau que j'ai reçu de mon maître, Rabbi Omori Rabbi Shalom Rish Ben Yamna, Kesham Yirapoto, Itano, Chut Yamim, il y a une longue vie. Mamash, il y a une manière d'aborder la vie. Il y a une manière, en fait, de se connecter avec Hachem dans notre réalité quotidienne. Il faut savoir une chose. Katuv Batora Kdosha, Kikarov Adavar Elecha Me'od. La chose, elle est très proche de toi. Toutes les solutions qu'on cherche à nos vies, toutes les choses qu'on cherche à améliorer dans notre vie, c'est des choses qui sont proches de nous. Veze egioni. Lama, Hachem, lo babitrun yaim biotav. Hachem n'est pas un tyran, chas veshalom. Hachem, il attend de nous des choses. Ce ne serait pas logique qu'il nous mette ces choses-là à 800 km. Ce ne serait pas logique qu'un père, il demande à son fils de 3 ans de passer le bac et s'il le rate, il le renvoie de la maison. Ce ne serait pas logique de faire des choses pareilles. Il nous aime. Il est miséricordieux. Toutes les solutions de nos vies, elles sont là. Et d'ailleurs, il y a un sipour de Rabbi Nachman, sipour connu, pour ceux qui connaissent. Aya Mishu, Aya Gar Bezeir, Vechalam, Shebeir, Ani Choshev, Varsa, Mitachat la Gesher, Yesh Otsar. Asa Chalam Kaze, Walach, La Otsar, Shama la Gesher, Igi à la Gesher, Rosh Otrim. הוא מחכה, הוא אומר, אולי בחצות הם הולכים. הוא מחכה, אין מה לעשות. לא הולכים. אז הוא הולך לפקיד הזה, הוא אומר, לפחות נעשה חצי חצי. נגיד לו את החלום שלי, ונמצא הסכם. הוא הלך איתו, הוא אמר לו את כל הסיפור הזה. הפקיד הזה, השוטר הזה, התחיל לצחוק. הוא אומר, מה אתה חושב? גם אני חלמתי על מישהו ששמו יוסף, זה היה שמו שלו. גר בעיר כזאת, זה העיר שלו.
שבחצר שלו יש אוצר, אז מה, אני אלך לשמה? הוא שמע לזה, והיה השוטר, היה אמר לו, אני צריך, אתה בסכנה, מה אתה רוצה? אתה צריך ללכת לבית סוהר, מה אתה רוצה? לחפור מתוך את הגשר במדינה? הוא אמר לו, לא, תניח אותי. הוא חזר לבית שלו, התחיל לחפור בחצר שלו, ומצא אוצר. Je traduis. Je ne sais plus dans quelle langue je suis. Je ne sais plus quelle est la langue d'origine. Il y a un espagnol et un sfaradi pour Gamani. L'autre, je suis face à face. Alors, il y avait une histoire avec Rabbi Nachman de Breslev. Il y avait un juif, un type, je ne sais plus comment il s'appelle dans l'histoire, Nagid Yosef. Il a fait un rêve que dans la ville de Varsa, une ville loin de chez lui, sous un pont, il y avait un trésor caché. Il a dit, c'est mon seul embelli du siècle. Il a dit, chérie, j'ai un plan, c'est bon, j'ai un plan. Il est parti à Varsa. Il arrive sur le pont là-bas, il voit qu'il y a des policiers. Dis-moi, je vais attendre la nuit, ils vont partir. La nuit arrive, non, il y a une garde qui se relaye. Il dit, ah, j'ai pas fini. Il dit, bon, je vais aller voir le responsable là-bas. Je lui ai dit, on fait moite-moite. Au moins, je prends une moitié de quelque chose. Parce que 0 de 100, d'un million, c'est. Enfin, 0 de 100% de 0, je préfère partager. Donc il va voir le chauffeur, il dit qu'est-ce que tu fais là? Il commence à dire, bah, je veux creuser quoi? T'es un espion, tu viens d'une autre ville pour creuser sous le pont, c'est très grave. Et en même temps, il dit, mais pourquoi? Il se moque de lui, il dit quoi? Mais parce que t'as fait. Il explique, il dit, j'ai fait un rêve, il dit, mais t'es vraiment n'importe quoi, il est incroyable ce juif. Il dit, moi aussi j'ai fait un rêve, qu'il y a un Yosef de la ville Intel, c'est sa ville, que dans sa cour il y avait un trésor. J'ai rêvé de ça, je crois que je vais aller chez lui. Lui, il entend ça, il dit, ouais, ok, Mikhila, j'aurais pas dû faire ça, laissez-moi partir. Il est reparti chez lui, il a creusé dans sa cour, et il a trouvé le trésor. Vous m'avez dit, Aotsar. Ma messer, les amis. Aotsar, chez Kulanou Mechapsim, Gvarnim Tsetslen, ou Gvarnim Tsetslen, Zelo Tsrok, Zelo Dimion, Zé Gvarpo, Mamash, Kepchuto, Lama, qui Boro Lam, ou Mouchlam. Chez Boro Lam, on sait Machou, Zé Mouchlam. En Chesronot. A Kol Machou Hashem, Barra, Baol, Bolamo, Kol Bne Adam, Akol Mouchlam, Kepchuto. Le message de cette histoire, c'est que. Donc il est retourné chez lui, il a trouvé le trésor dans sa cour. Le message, il est comme ça. Tout ce dont nous avons besoin, nous l'avons déjà. C'est déjà chez nous. C'est déjà en notre possession. C'est juste que maintenant, il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu, tout ce qu'il fait, c'est parfait. De la manière dont il nous a créés, les événements qui nous arrivent, les choses. Les personnes qui nous parlent, les choses qu'on voit, tout est parfait. Parfait pourquoi? Pour me rapprocher de lui. Akol mushlam kedi lagia la matara, ayichida shesh ba'olam hazeh shomer Rabbi Shimon bar Yochai bezohar HaKadosh, lehakir oto yitbarach. Ze ha-matara chad mashmait. Ein lanu matara acheret. Ha-Torah bishvil lehakir oto, ha-Mitzvot bishvil lehakir oto. Mi shelemad Torah bishvil matara acheret, ha-Zohar mekalel oto, chas v'shalom. Mekalel oto, mi shelemad bishvil lekanter, bishvil lerabanut o yedama. Azoar Omer Klala Nimretzet Alam, Chas V'Shalom. Notre seul but sur cette terre, c'est de connaître Hachem. On étudie pour ça, on fait des mitzvot pour ça. Et le Zohar HaKadosh, il nous dit que c'est le but absolu de ce monde, c'est de connaître HaKadosh Baruch Hu. Yehudim Vegoim, juif et non-juif. Et que quelqu'un maintenant, Dieu préserve, qui se mettrait à étudier la Torah dans un but de s'enorgueillir, Chas V'Shalom. Ou de devenir, qui lui veut des titres, il veut de l'argent. Le Zohar, il le maudit. Il y a une malédiction sur cette personne, Chas V'Shalom. Donc, il dit, Rabbi Nachman Zatzal, dans l'Écouté Moran, il ramène Machou Bessissi, une chose de base. C'est quelque chose qu'on a travaillé à ceux qui étaient là depuis vendredi soir. J'ai commencé à en parler, à expliquer. Et là, je vais essayer, Bézrat Hachem, de bien poser le décor et d'aller un peu plus en profondeur. Il dit qu'il y a Ish a Israeli tzarich tamid l'estakel basechel shel kol davar. Ou le kasher atzmo la chokma basechel shesh bechol davar. Kede. שיעיר לו השכל שיש בכל דבר, להתקרב להשם יתברך על ידי אותו הדבר. Il nous dit, Rabbi Nachman, c'est quoi le projet de ce monde? Hachem, maintenant, quelqu'un qui est un homme d'Israël, qui est quelqu'un, Israël, c'est Yachar, qui a le droit vers Dieu, quelqu'un qui cherche à se coller à Dieu. Mi shirotze litraber im Hachem, shu ish Israeli, ish Yachar, quel? Shirotze, kol megamato, c'est l'itkarev l'Hachem, litraber l'Hachem. Mao tzarek lasot, qu'est-ce qu'il doit faire cet homme-là? Tamid l'istakel basechel shel kol davar. Il doit regarder l'intelligence qui vient dans chaque chose. Ce qui signifie, il m'arrive quelque chose, il y a une chokhma dans ça. Il m'arrive ça ou ça, il y a une chokhma dans ça. Là, je n'ai pas encore parlé de la compréhension. Là, maintenant, c'est une recette.
Vous voulez vous rapprocher d'Hachem. Vous voulez maintenant, de chaque élément de votre vie, vous rapprocher d'Hachem. Kodem kol istaklut. J'ai ce regard-là de savoir, il n'y a rien pour rien. Si ça, ça m'arrive, il y a une raison. Atrala shalakol, ze, kshe ben adam, korelo ma, shulom shane ma shekorelo. Afilu shulom evin ma shekorelo. Afilu shen lo sechel, bishvil l'avin et ze. Atrala, je ne sais pas comment on dit une recette en hébreu. Matkon. Matkon. Amatkon shalachayim, kodem kol. Tatzer shelecha istaklut, ani yoda sheba davar haze, yesh chokma. Ma chokma? Chokma elokit. Hachem mezis et akol, veyesh meser leze. Lamrot shani lo akshav mukhan lekabel et ze. Aval kodem kol, tatchil amatkon. Amatkon, ata tire et achila, et le plat, et amachal, ata tire oto mukhan, besofo shel amatkon. Aval ata lo, זאת אומרת שאתה מתחיל בלי להבין את המתכון. אתה לא יודע מה אתה עושה. אתה שם פלפל, אתה שם זה, זה. אתה אומר, אבל זה לא מה שרציתי. אל תדאג. אתה תראה, כשזה יהיה מוכן, אתה תגיע למטרה. Donc au début, je porte mon intelligence dessus. Je vais vous donner un exemple concret. D'accord? Et on va essayer, si Dieu veut, c'est le but. Je ne cherche pas ce soir ce que vous ressortiez avec des chidushim. Le magnanoti, ça ne m'intéresse pas. Je ne cherche pas, entre guillemets, à vous éclater, façon de parler. Je veux que ce soir, moi le premier, on ressorte avec une vision claire et des exercices clairs. Comment, dans ma vie, au quotidien, je me rapproche d'Hachem. Zé Aïkar. Il ramène dans le Pirouche, à l'écouter Moran, Shalom Alchout. Rav Shalom Arouche, Masbir Shama, Yesh Sipur, Im Moshe Rabbeinu. A Sipur Yadoua, Che Moshe Rabbeinu Alach Bamidbar, Ve Motse Lifne, Motse Sne. Ve Ata Sne, Aya Boer, ולא היה לא היה נשרף. אוקיי? היה נשתור תרקוני. כי רמן לרב הראש כאילו הספיק, אילה רמן זאת אומרת, הוא קומנטר של ליקוטי מוהר"ן, פירוש של המלכות, אילה הספיק לבא, אילה רמן זאת אומרת, פרפור עשה את הספיקציון לה, פור קומפרנד כסף קצת סיניפי. משה רבנו, אימאז' דן דזר, איתום סירה בויסון, אנפלמה. נו, פרסו כיסב, אמפו, אנטרו גימי לסיאנס, לשימי, אצטרה לפיזיק. משה, וזווה ידי כאילו כונסת את ça arrive qu'en plein désert, qu'un arbre, avec la chaleur, avec la sécheresse, il peut y avoir une combustion spontanée. Ça peut arriver, c'est pas quelque chose de miraculeux. Moshe Rabbeinu, c'est très bien cela. D'accord? Donc Moshe, il passe devant un buisson qui a une combustion spontanée à 45 degrés sous le désert. Normal, ma baya. Il aurait pu, Moshe est passé, et dire, c'est normal, ça arrive. C'est la nature des choses. Moshe dit, pas du tout. Si Hachem, il me fait passer maintenant devant ce buisson, il y a quelque chose qui se passe là-bas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il stakel à la sécheresse. Il a commencé à regarder le buisson. A Filouk, c'est débile. Qu'est-ce que tu regardes un buisson, Moshe? T'as que ça à faire. Prie pour Amisraël, fais des mitzvot. On parle de quelqu'un qui a un niveau à 17 ans ou à 20 ans. Il a sorti un Shem Mefrash, un nom kabbalistique qui a tué un Égyptien en un mot. On parle d'un géant. Il a que ça à faire. Est-ce que tu vois un grand rave qui s'arrête devant une plante? Rave, il y a des choses à. Moshe, il s'arrête. Et qu'est-ce qui se passe? אני אסביר לכם עכשיו את הסיפור הזה של הסנה. אז משה עכשיו מוצא את עצמו לפני הסנה, וכל אחד שיודע קצת פיזית, זה לא נס של סנה במדבר עם החום, עם היבשות של האוויר, שיהיה לו אש מעצמו. זה לא משהו מעל טבעי, זה טבעי. אז משה היה צריך לעבור את דרכו. מה הבעיה? זה קורה, דברים כאלה. מה אמר משה? הוא הסתכל בשכל שיש בכל דבר. הוא אמר, זה לא רגיל. אם עכשיו אני מוצא את עצמי ככה, זאת אומרת שיש מסר. אני לא מבין את המסר, אני לא יודע את המסר, אני רק עכשיו שומע את הקריאה של השם. משה, il s'approche du buisson, parce qu'il s'approche du message, et qu'est-ce qui se passe? Il s'aperçoit que le buisson brûle, mais ne se consume pas. Ce qui veut dire que s'il n'avait pas fait l'effort de regarder ne serait-ce que l'événement, il n'aurait pas capté ce détail. Tu vois un buisson qui brûle, il faut capter qu'il ne se consume pas. Faut regarder, là, les feuilles, elles sont encore vertes à l'intérieur. D'accord? Donc, premièrement, il s'aperçoit de ça. Le fait qu'il s'aperçoit de ça, alors là, du coup, ouais, il s'approche du buisson. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Si on peut dire ainsi, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et en s'approchant de là, qu'est-ce qui se passe? Hachem, il parle. Ça, là, c'est la recette pour décoder un événement. Tu veux maintenant recevoir la voix d'Hachem? Tu sais que chaque chose qui arrive, c'est pas pour rien? Et tu portes ton attention dessus, Hachem il te parle. Hachem il te dévoile ce qu'il y a dedans. Azani masbir et amatkon azé. Az Moshe roet asne. Ve
הוא אומר לעצמו, אני מסתכל על השכל שבכל דבר. הוא הסתכל, מה הוא רואה? הסנה בוער ולא נסחף. הוא רואה את זה, הוא אומר, מה, זה משהו. אז הוא התקרב לסנה. כשהוא התקרב לסנה, מה קורה? פתאום שומע את קול של השם. זה המתכון של החיים. מי שרוצה לשמוע את קולו של השם, זה הדרך כדי להגיע. אז זאת אומרת, on a une règle. On a une règle très simple. On en a parlé Shabbat. Si vous voulez savoir où, ce que Hachem il attend de vous, si vous voulez savoir ce qu'Hachem il vous réserve, comprendre ses messages, vous devez regarder la réalité qui vous entoure. Ben Adam Shirotse la date, ma Hachem Rotse Mimeno. Ben Adam Shirotse la Avin, et Sodotea Shel Achaim Shelo. Ou Tsarich. לראות את המציאות שלו. כי המציאות, השם מחדש בטובו בכל יום, תמיד. השם מחדש כל הזמן את המציאות שהוא חי בה. הבן אדם הזה מדבר עליי ככה. אני רואה את זה, אני שומע את זה. כל דבר, כל פרט ופרט, זה מת השם. וזה המציאות שלי. אז עכשיו צריך להסתכל מהשכל שיש בכל דבר. אוקיי. נוקדום הריאליטי, תותיה. Toutier. Maintenant, Pshat Alishmaya, j'aimerais vous parler maintenant d'une notion, si Dieu veut de faire avec vous un birour. Dans la Torah, on parle de confiance. D'accord ? Il y a une notion d'avoir confiance en soi. Cette notion, elle existe. Alors, il y a la confiance en soi négative, et il y a la confiance en soi positive. Quelqu'un maintenant qui veut le Yoda qui veut maintenant étudier, qui veut maintenant le Yoda qui veut arriver à des niveaux, qui veut faire même aider des gens, qui veut. S'il n'a pas confiance en lui, il n'a pas les forces d'avancer. Donc, il y a des moments, tu n'as pas le choix. Tu as besoin d'avoir cette confiance en toi, que Bezrat Hashem, je vais y arriver. Et c'est ce qui me permet d'avancer. Il y a des moments où cette confiance, maintenant, elle peut se déplacer. Alors, Shaman Yerotel Asad Biru, Hashouf. Yesh Nekuda, chez Korim, Bitachon Atzmi. Yesh Bitachon Atzmi, Misitra Dikdusha. Bitachon Atzmi, חיובי, ויש ביטחון עצמי שלילי. והבירור הזה הוא חשוב מאוד, כי ברגע שאני לא יודע איפה אני אוחז, יש מצד אחד זה הורס אותי, מצד אחד זה בונה אותי. La confiance positive, je vais commencer par le positif, il dit Rabbi Nachman, toujours on commence par le positif pour expliquer. La confiance positive c'est quoi? Je vais étudier quelque chose. Je vais demander à mon Rav quelque chose. J'apprends que la Torah elle demande quelque chose. J'ai appris cette chose-là. Une fois que je l'ai apprise, on ne peut plus me faire bouger. C'est fini. On m'a dit qu'il fallait donner ma serre, Nagid. J'arrive à la fin du mois, je me dis, comment je vais faire? Je fais ce qu'on me demande. Après, il y a la halakhot. Mais maintenant, dès l'instant où j'ai éclairci la halakha, dès l'instant où j'ai éclairci le Ratzon Hashem, par l'étude, par les shéelot, même si devant moi, ma réalité maintenant, elle me fait dire, t'es un fou si tu fais ça, ça ne m'intéresse pas. Ani boterbi, j'ai confiance que c'est comme ça que ça doit se passer. Je ne doute pas, je ne laisse pas Amalek rentrer en moi, j'avance. Ze bitachon chiyuvi positif. Et d'ailleurs, on voit que Stam Dougma, le Rabbi Lubavitch Zatzal, quand il a envoyé des shluchim dans des endroits, le Yodahama, et que Behemet, le type, il ne parle pas la langue, il n'a pas d'argent, on parle des situations, maman, les shluchim, ils partent, c'est pas, ils partent en tapis rouge. Ils vous racontent leurs histoires, ils disent, mais c'est pas, comment tu as pu avoir l'idée de partir? Ils ont eu foi dans les paroles de leur maître. Le rabbi leur a dit, tu vas là-bas et là-bas, tu feras un bête rabat. D'ailleurs, ça me rappelle une histoire que vous connaissez peut-être, elle est sympathique. Il y avait trois types, ils se retrouvaient au Gainum. Il y avait, on va dire, un orthodoxe, un Breslev, un rabat. L'orthodoxe, il est au Gainum, comme ça. Et il crie, Rafshach, t'as Azorli. Le Rafshach, il vient, qu'est-ce qu'il y a, mon fils? Je suis au Gainum. Il l'attrape, tout de suite, faites-le sortir. Ah, Rafshach, faites-le sortir, il faut sortir le type. Il y avait le Breslev à côté. Il dit, Rabbi Nachman, Iftar Tali, ma péote, j'ai les péotes, t'as aussi, aussi. Sors-moi du Guéhenam, t'as promis que celui qui va sur sa tombe, tu vas sur la tombe. Moi, j'ai été sur ta tombe, Rabbi Nachman, j'ai mis la pièce de Zaka, j'ai fait Teilim, Tikkun HaKlali. Je dis, sortir, Rabbi Nachman, il vient, bien sûr, mon fils, je te sors de là. Au passage, je peux juste le préciser, Rabbi Nachman, il a dit qu'il sortait du Guéhenam, celui qui vient sur sa tombe. Et il a aussi dit que celui qui faisait une heure par jour de Bodé Dout, il verrait pas le Guéhenam Birlal. Donc, si vous aimez Rabbi Nachman, faites l'heure de Bodé Dout, il aura pas besoin de descendre vous chercher. Hein? Ah, ben oui. Ah, Zachabad.
Ah, Chavad, Arsham, le Chavad, il est là. Le Rabbi, tout de suite, toute sa vie, il a été chassid du Rabbi. Rabbi, le Rabbi, viens m'aider. Le Rabbi, il arrive, il dit, oui, qu'est-ce qu'il y a, mon fils? Chou, Geinam. Fais un Bet Rabat, c'est merveilleux. Fais-nous un Bet Rabat. Mais mamash, tu vas dans tous les endroits du monde, il y a un Bet Rabat. Et c'est Srout. Et notre nom, Mavinim. Aval, le Srout, il faut savoir. Le Srout, Baruch, qui est chez le Rabbi. Mais il est chez ses chassidim. Qui ont eu Emouna et Bitachon dans la parole du Rebbe. Et c'est sûr que ça leur a coûté. Mais maintenant, ils ont entendu, ils savent que la Torah, elle a dit, tu bouges pas ni à min ni small, tu vas ni à droite ni à gauche des paroles des Chachamim. Mon Rav, il m'a dit, va à ton Bouctou, monte là-bas, mettre à bas de 5 étages, je parle pas la langue, j'ai pas d'argent, j'y vais. Et bah, sauf, tu retournes à ton Bouctou, il fait 5 étages, le mettre à bas. Les plus beaux mettre à bas du monde, regardez bien, ils sont dans ces pays-là. Pourquoi? Parce qu'il y a un Messirut Nefesh de dingue. Ils ont fait un Messirut Nefesh, Aval Hashem Azar. C'est-à-dire que maintenant, il y a un Bitachon qui est fou, Aval, il n'est pas fou au sens Yesh Basis. Ton Rav, il te demande de faire quelque chose qui te paraît fou, c'est Bitachon Amiti. Tiler Bézé. D'accord? Azani Asbir, chez Bitachon, Chiyuvi, c'est Bitachon Arshav Venadam, Lamad Torah, Lamad Alacha. Rav, chez lui, Amar Lola, Sot Machu. La moitié, c'est Nira Meshuga, Machu Ose. La moitié, c'est Nira, et Ani Natati Laem, Dougma, chez Rabbi Lubavitch. Chez Shalach Shlouchim, Bechol Olam, chez lui, Alaem, et Asafa, et Akese, et Kloum. עכשיו אתה בא שמה, יש בית חבד חמש קומות, חמישה קומות, מקווה, בית ספר, כשרות, איך הוא בנה את זה, איך, איפה הוא התחיל? הוא היה ביטחון, אמונה, ביטחון מהדיבורים של הרבה. אז בן אדם שעכשיו הולך עם הביטחון הזה, התורה אמרה לי, מי שישר בעסקים שלו יהיה ברכה. ולא אומר, אבל כולם גנבים, כולם גוזלים, אני גם, אני חייב, איך אני אתפרנס? אתם שומעים את זה? אי אפשר היום להיות פרנסה בילד קשר. לא, אני חייב לעשות כמה. שטויות. אני מאמין בתורה הקדושה. אני בוטח בשם. למרות שיש רמאים, למרות שיש שקרנים. השם אמר שמי יוצא כך וכך, מבחוקותיי תלכו, יהיה ברכה. אני הולך רק עם זה. אפילו שאני רואה בנים שלי אנשים שהם רמים אותי. אנשים שאני רואה, אני לא יכול. אני בוטח בתורה. ומי שעושה ככה, בוודאי שהוא מצליח. בוודאי. נו, כלכם מתנו. Qui va d'après le bitachon positif, il a une atzlacha, etc. Maintenant, moi, je ne vais pas vous parler de ça ce soir. Parce que le fond de notre problème aujourd'hui, c'est la confiance qu'on a en soi négative. C'est quoi la confiance en soi négative? Les Pirkei Avot, ils te disent « Al tamin ba'atzmecha diyomotra » Ne te fais pas confiance jusqu'au jour de ta mort. De quoi est-ce qu'on parle maintenant? On ne parle pas de quelqu'un qui fait Torah mitzvot. C'est pas quelqu'un qui a dit « La Torah, elle a dit, je fais. » On parle de quelqu'un maintenant. Il y a plusieurs choses qu'on peut dire pour ça, mais ce soir, ce sur quoi je veux qu'on se concentre, pour le peu de temps qui me reste. Quelqu'un maintenant, il lui arrive une metziut, il arrive un événement dans sa vie, et lui, qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi ça m'arrive? C'est pas normal, c'est injuste, avec tout ce que je fais, avec toute la tzedaka que je donne, avec toutes les misères que je fais, Hachem il me fait ça, on a fait tout ça, et ça n'a pas marché, et comment ça se fait? Je devrais être comme si, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Hachem il me fait ça? C'est-à-dire que là, tu es en train de dire maintenant, Anibote Arbi, Shanit Sadik, Shemagi Ali, ואני לא מסכים למה שקורה לי. זה נקרא ביטחון שלילי, ביטחון של סטרה אחה. אתה אומר, מה? אני עושה שבת 7 שנים, עושה למד תפילין. כל מה שאתה אומר, שקר. זה ביטחון שלילי לגמרי. אל תאמין בעצמך עד יום מותך. עד יום מותך. אז ראה כמו זה הפונקציון. השם, il me parle avec la réalité qui m'entoure. Concrètement parlant, Hachem, comment est-ce qu'il me fait savoir que je suis un menteur? Alors, vous savez que pour les besoins du libre-arbitre, il ne va pas me faire comme ça. Il n'y a pas un livre qui va tomber devant moi avec une tape sur la main et une voix céleste. Ce serait trop facile. Moi, je tremblerais et tout de suite, je fais tchouva. Libre-arbitre. Pour les besoins du libre-arbitre, c'est une donnée qu'il faut savoir. Hachem ne va pas se dévoiler à toi de manière directe. Déjà parce que ce n'est pas possible de voir Hachem trop fort, tu ne peux pas tenir. Déjà de le voir Bichlal, on meurt. C'est que voilà, Mabak. D'accord? Donc maintenant, Hachem, pour les besoins du libre-arbitre, pour nous donner un sahar, il ne se dévoile pas de manière trop forte. Mais alors, comment est-ce qu'il communique avec nous? Mida, Keneged, Mida. Hachem, il me parle au travers du Mida, Keneged, Mida. Maintenant, le Mida, Keneged, Mida, tu peux le prendre positif ou négatif. Hachem, j'ai roté la guide lecha machu, j'ai roté la tête lecha meser. A derchou lokach, ze a Mida, Keneged, Mida. Ze a nagash à la boré, baouchou, baolam azé. Ve a Mida, Keneged, Mida, ze lo davar. אפשר להבין הכל בחיובי או בשלילי. זה דבר חיובי. זה לא כדי להרוס אותי. זה לא כדי לשבור אותי. זה כדי להעלות אותי. Donc maintenant, le mesure pour mesure est toujours positif.
Ça, c'est une règle. Quand vous cherchez un message qu'Hachem il envoie, vous cherchez toujours la positivité de cette chose-là. Maintenant, concrètement parlant, donc si maintenant Hachem, il veut me faire montrer que j'ai un problème, et il veut me dire, il y a des petits problèmes de mensonges, par-ci, par-là, dans ton travail, t'es pas halak, t'es rabanout, passe la madrine. Il veut me faire savoir ça. Comment est-ce qu'il fait, Hachem? Je vous demande à vous, comment est-ce que vous feriez pour faire passer un message comme ça à quelqu'un? On ne peut pas le dire en direct. Et ça doit vous arriver. Des fois, des, certains enfants, on sait que si on le dit direct, ça ne marche pas. Donc, il faut que je trouve un petit subterfuge pour que le message y passe au travers d'un Hachem. Il passe par des gens. Hachem, il passe par des mails. Hachem, il passe par toutes sortes de messages. D'un coup, qu'est-ce qui se passe dans ma réalité? Je commence à tomber sur des menteurs. Je commence à tomber sur des tricheurs. Je commence à tomber sur des arnaqueurs. Et maintenant, moi, si je n'ai pas compris le système, c'est honteux. Encore ils m'ont menti, encore on m'a trahi, encore on a triché, encore on m'a fait vivre ça. Ma pitom, avec tout ce que je dois arriver à ces gens-là. Ça maintenant ce qui se passe, on retourne dans le bitachon, la confiance en soi négative. Tu fais, entre guillemets, tu as confiance dans ton regard de la vie. Ma pitom. Il y a une phrase qui change la vie. Et ça c'est le démarrage. Pour pouvoir rentrer dans cette notion que je vous ai donnée, de pouvoir voir le sérel qu'il y a dans chaque chose, ça démarre avec quoi? Il y a une phrase qui est très connue. Atat sadik al kol ba'alai emet asita va ani irshati. Pour qu'Hachem se dévoile à toi, kodem kol, il faut que tu crois en lui. Il m'arrive quelque chose, l'homme chanema. Première chose que je dis, Hachem, ce que tu fais c'est juste. Ce que tu fais c'est le emet. Ça me revient, c'est moi qui ai fauté. C'est sûr que c'est moi qui ai fait une erreur. De ton côté à toi, baruch, il n'y a pas d'erreur. Aujourd'hui on m'a trahi, on m'a menti, c'est chez moi que ça se passe. Az ayesod. C'est la date. זה לא צדק, זה לא אמת, אני צדק איתם, אני עשיתי להם טובות אפילו, לא יודע מה. אבל ההסתכלות זה הסתכלות לא נכונה, זה ביטחון עצמי שלילי. כי אתה אומר שיש טעות במציאות, שיש טעות בהנהגה, בהנהגה של העולם הזה. מה כן אמת? וזה המשפט הראשון, הצד הראשון, להגיד לבורא עולם, כשקורה לך משהו, אתה צדיק על כל הבא עליי. אתה צדיק. אמת עשית. זה שמרמה אותי, זה שמשקר אותי, זה שנתן לי דוח, אפילו ללא צדק, כנראה. אמת עשית. אני הרשעתי. כמו שכתוב בגמרא שבת, אין איסור ללא אבון. אין איסור. וקודם כל, מי שמצדיק את הדין, מה הוא מרוויח? בעצם, שהוא מצדיק את הדין, השם שולח לו חכמים, זה ממתיק את הדין, זה ממתיק הכל. בעצם שאתה עושה את זה. שעכשיו אתה אומר, כן, השם. וזה אחד מהסיפורי מעשיות של רבי נחמן מברסלב. יש סיפורי מעשיות שמה, שמדבר על הגיבור. יש גיבור אחד שכובש הרבה עיירות וכפרים, והוא חזק ביותר. והדבר הראשון שמציל אותך מהגיבור הזה, הוא מספר רבי נחמן מהסיפור הזה, שאתה מכניע את עצמך. יש היסטוריה עם רבי נחמן, dans un des סיפורי מעשיות, dans un des contes, il y avait un homme très fort comme ça, un gibor, un puissant. Il faisait la conquête de plein de villes. Ceux qui croisaient son passage, qui ne se soumettaient pas, il les tuait. Les seules personnes qui ont été sauvées de ce gibor, ceux qui se sont soumis. Quand tu dis à Hachem, Hachem, ce que tu fais, c'est juste. Et si ça m'arrive, ça me revient. Et c'est émettre. Le fait de faire ça, ça adoucit la rigueur tout de suite. Le Rav Arush a raconté une histoire qui lui est arrivée. Il dit à Motzé Shabbat. Donc Motzé Shabbat, et Shabbat, il sort. Il dit, j'ai une tonne de choses qui me tombent dessus à faire. Il est Rosh Hashiva, il a une mishpacha, il a une famille grâce à Dieu très grande. Là. Une tonne de choses qui tombent dessus. Et il dit, je m'aperçois, Motzé Shabbat, que mon fils avec qui j'ai étudié le Shabbat, les pages de Gemara qu'il devait préparer pour son examen du lendemain, je le réinterroge juste pour vérifier qu'il a bien compris. Je m'aperçois qu'il n'a rien compris. Donc je me retrouve, Motzé Shabbat, une tonne de choses, et j'ai devant moi quelqu'un qu'il faut une heure et demie, deux heures pour l'expliquer. Donc il dit, je me sens mal, je ne sais pas comment je vais. Il dit, qu'est-ce que j'ai fait tout de suite? J'ai dit, Hachem, atat sadik al kol ba'alai, si tu me fais passer par là, c'est juste. J'ai dû faire une erreur, c'est barreau, j'ai fait une erreur, je vais faire tchouva. Aide-moi à faire tchouva. Le Rav, il a dit, j'étais d'accord, j'ai fait ça. Deux minutes, j'ai fait ça, c'était rapide, t'as pas le temps, moi, t'es Shabbat, comme ça, de faire 5 heures de doute.
Il dit, Pitam, j'ai un de mes fils aînés, un des grands-fils déjà mariés, qui sont à la maison Shabbat, mais ils ont une vie, ils sont mariés, ils ont un certain âge, ils ont des enfants. Ils n'ont pas que ça à faire aussi de s'occuper de... Tu ne peux pas, en tant que père, demander à ton fils qui a 25, 26 de repartir, tu peux t'occuper du petit, c'est son rôle. Il dit, c'est mon rôle à moi. J'ai un de mes fils aînés de lui-même. J'étais moi en train de dire à Hachem, ce que tu fais, c'est juste. Il a dit, il a vu la situation, il a dit, je vais lui apprendre moi. Il dit, sans que tu demandes, sans que je demande, sans que je fasse... Hachem, il aimait ça derrière l'histoire. Hachem, il t'organise le truc. Et plus que ça, il y avait un autre enfant qui devait apprendre, il a aussi fait réviser à l'autre. Il a dit, et j'ai vu mon fils aîné avec une patience. Il est patient, son émotion Shabbat, il est patient, il est détendu, il dit, j'ai vu de mes yeux, Stam, c'est la base. Dès l'instant où tu acceptes le djinn, tu acceptes la chose, et tu te soumets, automatiquement ça adoucit. Maintenant, on va quitter sur Nimrat, פתאום, הבן, אחד מהבנים הגדול שלו, הגדולים, הוא אמר, אני אתעסק איתו. הוא לקח מעצמו, כי הוא לא יכול לחייב, אנשים גדולים שמתחתנים. אז בסופו של דבר הוא אמר שישר, ישר הוא ראה המתקת הדינים. ומי שעושה את זה, ישר יש המתקת הדינים. אוקיי. Maintenant, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut remettre les choses dans l'ordre. On ne peut voler que le voleur, on ne peut mentir que menteur, on ne peut tricher que tricheur. Et ce que je suis en train de dire là, je veux le faire descendre. Vos enfants, Dieu préserve, s'ils disent des gros mots, c'est votre langage qui est en jeu. C'est pas le leur. Vos enfants, s'ils se comportent avec Rutzpa, c'est votre Rutzpa qui est en jeu, c'est pas la leur. Un père qui comprend ça, une mère qui comprend ça, d'abord il fait tchouva, avant de commencer à parler à l'enfant. Parce que si la raison qu'Hachem t'a envoyé un enfant qui parle dans le décor, c'est pour te réveiller à la tchouva, tant que tu feras pas tchouva, tu changeras rien chez lui. Kachazé. Si ta femme maintenant, elle te parle comme si ton mari maintenant il te parle comme ça, c'est Hachem qui te parle. Tant que tu changeras pas, alors Bessader, maintenant il y a des maris qui n'ont pas compris, qui vont la jouer un peu trop dur, un peu trop macho, d'accord ? Chaval, parce que le cadeau qu'Hachem y fait, le cadeau qu'Hachem y fait, c'est que ça se passe quand, pour nous. Hachem y fait que quand je dois réparer quelque chose, ça soit de la manière la plus douce possible. Maintenant, quand c'est dans mon foyer, malgré tout, c'est pas aux yeux de tout le monde. C'est quand même plus facile à supporter. C'est vrai que ma femme qui me fait une réflexion, c'est pas agréable. Mais c'est quand même plus facile que de gérer maintenant quelque chose devant toute la Keïda. Devant, maintenant, ça part sur Internet, ça peut partir devant des milliers de personnes. Donc, c'est Hachem me fait le cadeau. Si maintenant je suis chacham, j'encaisse, je travaille, je fais ça avec ma femme ou avec mon mari. Si maintenant j'encaisse pas, Hachem me dit, y a pas de problème. Tu travailleras ça ailleurs. Le gendarme, le policier, tout le voisinage, tout l'immeuble, tout le syndic, qu'est-ce que tu veux, dis-moi. De toutes les façons, tu vas le travailler. C'est-à-dire qu'à la base, Hachem, il a mis les meilleures conditions. Maintenant, tout le truc, il est comme ça. Et ce que je vous dis là, il faut prier pour ça. Parce que naturellement, on a raison. Bah oui. Adam, karov, l'atmo, zotomeret, c'est kol azman, ben adam, adzdik et atzmo. Ateva shel adam, zel adzdik et atzmo. Im ishtim daberet elai kacha, i toa, ani tzadik, ani tzodek. Im haben shini ose kacha, ki hu lo mchunach karaoui, hu yeshto baria, lo ani. Kol azman, ze hataout shelanu. Ze hataout shelanu. Az ma tzarek lasot? Tzarek lechanech et atzmenu. Lechanech et atzmenu. Kodem kol. Ma shani roe. Eze mtziut shei koa, kashur elai. אליי, לא לשכנים, לא לאשתי, לא לאף אחד, אליי. אני מסתכל לשכל שיש בכל דבר, ואני מקשר ומתחבר על הדבר הזה כדי להתקרב לשם. Parce qu'il faut comprendre une chose. Le fait de ne pas maintenant s'accrocher à la réalité qu'Hachem m'envoie, qu'est-ce que je perds? Je perds Hachem. Mamash, je perds Hachem. Kepshuto, c'est-à-dire que j'avais une possibilité de m'accrocher d'Hachem. J'avais une possibilité. Nachon, c'est pas facile. Je suis pas en train de dire que c'est facile. Nachon, c'est difficile. Nachon, maintenant, que quand c'est le mari ou quand c'est les enfants, l'homme est chané. Aval kodem kol. Kodem kol. Si je fais le travail, les tzadikim qui ont fait le travail, et ce qu'il explique ici, Rabbi Nachman, ce que je suis en train de vous expliquer là, c'est le chemin, c'est deux chemins. Il y a le chemin d'Esav et le chemin d'Yaakov. Esav, c'est celui qui dit, c'est bon, arrête de ta folie là, tout ce qui se passe.
Hey, c'est bon, on fait Shabbat déjà, on a Beth Shemesh déjà, c'est déjà suffisant. Oh, on a fait l'Aliyah, oh, combien on va prendre sur nous? Je vais pas en plus commencer à rentrer dans des délires. Ça, c'est Essav. Essav, lui, et c'est ce qu'il explique ici, quand la Torah elle dit que Essav, il a méprisé le droit d'aînesse. Ou Biza et Abechora, l'explique ça Rabbi Nachman, c'est qu'en fait, il a méprisé la notion de premier-né, de primauté. Il dit, c'est le verset Réchit Chochma Yirat Hashem. Mashi mevazeh be'etzem ze achochma. Achochma shesh bechol davar. Donc maintenant, אם אתה רוצה, בן אדם עכשיו שמבזה את כל המקרים שבאים אליו, זה הדרך של עשיו. בדיוק. C'est quoi le chemin maintenant de Yaakov? Yaakov, c'est lui qui dit, tout ce qui m'arrive, זה מת השם, c'est pour mon bien, il y a une raison, je cherche. אין דבר כזה. Et Yaakov Avinu, pour vous dire, Yaakov Avinu, בעצמו, il a eu un épisode de sa vie très dur. On lui a annoncé que son fils était mort. Yosef HaTzadik. On lui annonçait qu'il était dévoré par un animal. Yaakov, il prend le deuil. Et Yaakov, il commence à chercher Alpi Torah, parce qu'encore une fois, la metziout, la réalité, efshar la vinota rak derech ha Torah. A metziout, im ata rotze la vin et ha esber shel ha chayim, rak derech ha Torah. En shum esber. Ze lo ha matzav kalkali, ze lo ha avoda shelcha, ze lo ha kishchonot shelcha, ha tchonot shelcha. ההסבר היחיד זה בתורה. זאת אומרת, האם אני בוטח בעצמי ממה שאני מבין, ממה שאני רואה, כדי להסביר את המציאות, ובוודאי שאני אטעה. יש אנשים עכשיו, אתה רואה אותם, 20 שנים מאחוריי, תקועים בפרנסה, תקועים בשלום בית, לא מוצאים את הזיווג שלהם, אין להם ילדים. למה? כי ממשיכים על אותה מציאות. אני מבין, אני עושה, אני הולך. זה טעות נוראה. כי אם היו רק אומרים בהתחלה, לא יודע מה שקורה לי. זה מת השם, יש הבנה, השם יודע מה שהוא עושה, השם רחמן, השם אוהב אותי, יש מסר. פתאום היו קולטים הרבה דברים. הרבה דברים שגוזלים אותו, כי יש לו גזל גדול ביד שלו. היה עושה תשובה לגזל הזה, נגמר הסיפור. כי צריך לדעת, ההבנות שחלילה עשינו בן אדם לחברו, אם לא מתקנים את זה בחיים, לא גיהנום, ולא יום כיפור, ולא שום דבר יכול לתקן את זה. רק דבר אחד, שהוא ימחל לך. זאת אומרת, שאתה יכול להיות פה 10 גלגולים בשביל קפדה אחד. זהו. Il faut savoir, tant qu'on ne se met pas dans cette direction, parce que maintenant, Baruch HaShem, on a un service, on s'occupe de gens. D'accord? Pour ceux qui connaissent, joadiv.org, c'est un site. Baruch HaShem, j'ai la chance et l'honneur de pouvoir officier, on est plusieurs. D'ailleurs, on a une antenne sur Beth Shemesh, au Hachem. D'accord? On diffuse l'enseignement de Torah, notamment du Rav Shalom Harouche. Et on a des gens au téléphone. Et cette semaine, en fait, ce cours-là, il est né parce que cette semaine, j'ai eu deux personnes le même jour, un match, le même jour, qui m'ont appelé, avec des raisonnements qui m'ont fait froid dans le dos. Mamash, une personne qui m'a carrément dit, c'est n'importe quoi, ce que vous enseignez, ça marche pas. Déjà, c'est pas nous qui l'enseignons, c'est dans notre Torah, c'est nos maîtres, c'est une transmission qu'on. On n'est que des intermédiaires, on n'a personne à inventer quoi que ce soit. Et j'en ai un autre qui m'a dit, non, je crois tout ce que vous dites, mais pourquoi est-ce qu'Hachem est aussi méchant avec moi, quoi? Et j'ai commencé à réfléchir, j'ai demandé à Hachem, Kodem Kos, j'ai dit Hachem, si moi je vois ça dans ma vie, c'est que moi je suis relié à ça. C'est que moi j'ai ce problème. Et c'est quoi le problème qu'il y a là-bas? C'est que c'est une base. En Issur Lelo Avon. Il n'y a pas de souffrance sans faute. Maintenant, encore une fois, moi. Je ne vais pas chasver Shalom quand quelqu'un vient me voir lui dire ah, t'as un fauteur, si ça t'arrive, t'as le type il est à l'hôpital, les deux jambes cassées, tu lui dis pas qu'est-ce que t'as fait avec tes jambes? Tu lui dis pas ça, ah, tu pries pour lui, tu lui pries pour lui, tu lui glisses un HM te guérit dedans, il explique les jambes c'est quoi, qu'est-ce qui s'est passé. Déjà, mais discret, c'est gentil, je dis ah, attends, j'ai pensé à toi, j'ai un cadeau pour toi, et tu pries, mon Dieu fait qu'il lise la page 144, il va comprendre ce que c'est avec les jambes. Mais moi, je ne vais pas maintenant lui dire chasver Shalom, ça va le briser, parce qu'on n'est pas capable, l'homme, il est pas, les torchot, on n'est pas au niveau de les faire, on n'est pas au niveau de les entendre. C'est pour ça qu'Hachem aujourd'hui c'est de plus en plus difficile, entre guillemets, déjà du temps de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva il dit que de bon temps, je ne sais pas si quelqu'un est capable de faire un reproche. Donc imaginez-nous aujourd'hui. Donc Bekitsour, pour conclure, pour essayer de vous donner une maskana. J'ai deux options, on a tous devant nous deux options dans chaque situation. Pour décoder ta réalité, sur quoi tu t'appuies. Alors maintenant, ça peut arriver que tu n'aies pas compris. Mais c'est d'air, je ne sais pas ce qui m'arrive. Je ne comprends pas. Et là, les gens nous appellent. Et nous, on cherche. Par exemple, quelqu'un qui a des problèmes, Nagid, à la main. Ok? C'est quelle main? La droite, la gauche, les deux? C'est quel type de problème? C'est des problèmes de peau? C'est quoi? C'est les os? C'est où que ça se passe? La main, ça peut être Emouna.
La main, ça peut être la tefila. La main, ça peut être que tu es trop dans la dynamique de dire c'est moi qui agis, c'est que la gave. Après, maintenant, la guide les jambes. Les jambes, c'est regel, raglaim. Peut-être que tu fais mal, shalosh regalim. Peut-être que tu es mévasé, que tu es méchalel, les yom tov ou les cholamoued, que tu ne fais pas comme il faut. Peut-être que tout simplement tes jambes altaman à des endroits où il ne faut pas que tu ailles. Arbet varim, c'est que maintenant, dès l'instant où tu commences à chercher, il y a plein de pistes. Il y a des pistes. Là où la douleur, elle se situe, c'est dans le couple, c'est avec les enfants, c'est au niveau de la parnassa. Mamash, au niveau de la parnassa, quand tu viens, les gens ils disent, moi, j'ai une parnassa. C'est quoi le problème exact? Et tu commences à t'apercevoir que c'est un symptôme. C'est pas un symptôme de parnassa. C'est la plupart de ses clients qui le plantent. C'est les fournisseurs qui ne suivent pas. C'est chacun, il a un problème qui est précis parce que le problème, il est lié à un symptôme spirituel. Et grâce aux symptômes, tu peux retrouver exactement c'est quoi le problème qu'il doit travailler. Mais pour arriver à ça, pour arriver à cette compréhension-là, ça commence par quoi? Emouna. La Emouna, que ce qui m'arrive, ça vient bien d'Hachem. Tant que je suis dans l'état d'esprit de dire c'est pas moi, c'est merci, c'est pas moi le problème, ça marche pas. Et donc il y a des gens que tu les retrouves 10 ans après, 15 ans après, 20 ans après, mais skinim, ils sont bloqués. Mais pourquoi j'ai mis fait ça? Parce qu'Hachem, il dit mon fils, je t'aime, je baisserai pas les bras. C'est comme un parent qui voit un enfant qui se drogue, il va pas lui dire bon, bah, continue à droguer, je lâcherai pas l'affaire. Tant que tu arrêtes pas ça, je te lâche pas, je te lâche pas, il faut que tu sors de ce problème. Akadosh Baruch Hu. Enfin, ça m'a complètement zappé sur le temps le double. Il faut Tzadik, ani lo mevin lama kore li et ze, ve barour she amatzav rak yidarder, ve lo yeh pitronot ve darim kele. Oh, ani tzarich lifrokh. Kore li emet. Kore li emet. Ani lo mevin. Afilu she ze ha'bal ha'bayit sheli, she oseh li dvarim lamrot she ani mishalem lo. Ani roeh et ha'bal ha'bayit ha'amiti. Hu stam buba. Hu stam makel. Az ze shtei tzadim efo lashim et ze. Kodem kol, ze matchil mize. כי אם לא מתחיל מזה, עם האמונה הזאת, הפשוטה הזאת, שהשם מנהיג את העולם בצורה נכונה ובצדק, בלי האמונה הזאת, אנשים תקועים. תקועים שנים. וזה כואב. זה כואב מאוד. La première des choses, donc, première étape, c'est de où je me positionne sur l'événement. Est-ce que je vais dire, je suis encore la femme martyrisée par son mari? Ou est-ce que je vais dire, ça m'arrive? Il y a une raison. Il y a une raison. Hachem lui-même. Il sait pourquoi il fait ça. J'accepte Hachem. J'accepte Hachem. Ou alors je dis non, c'est ce mari, j'aurais dû écouter ma mère, j'aurais dû écouter ma grand-mère, j'aurais dû écouter les voisines aussi, elles m'avaient prévenu, j'ai pas écouté. Mais là, le matzav ne va pas s'arranger. Et je vous dis, je suis pas prophète. Quand on se positionne du côté du bitachon atzmi, c'est de la gava. Omer, je te mets à malheur. L'ifne shever gaon. Le roi Salomon nous prévient. Devant chaque orgueilleux, il y a une chute vertigineuse derrière. C'est-à-dire que dès qu'on voit quelqu'un du préserve qui est tombé, je te mets à malheur, je te dis, tu sais pourquoi il est tombé lui? Gava. C'est un gaon, c'est vrai pour un gaon. Donc ça veut dire que le fait de dire, entre guillemets, mon mari est à tort, c'est pas normal ce qui m'arrive alors que je suis une échetraïne, ou que je suis un tzadik, ça, c'est le seul moyen, si vous voulez prendre, entre guillemets, d'autres coups, c'est un chemin qui est sûr. C'est une ségoula, c'est pas une ségoula, c'est une garantie. Voilà, si vous voulez maintenant vous faire déchirer. Maintenant, si quelqu'un dit non, bah, c'est bon, j'en ai marre de... je vais passer à autre chose. Ça y est, la maternelle, ça fait 38 ans que je suis en maternelle, j'aimerais bien passer en GAN 2. Comment il fait? Hachem, je comprends pas pourquoi mon mari fait ça. C'est vrai que moi, à mon niveau, je pense avoir fait ce que je pouvais. Je pense avoir fait ce que je devais. Maintenant, qu'en irait? Et ça, c'est la nava. Il y a quelque chose qui m'a échappé. Parce que c'est sûr que toi, à ton niveau, tu ne fais pas d'erreur. Si tu m'as fait poser ce mari, que ce mari me dit ça et qu'il sait me dire le mot pour me faire schmettre, c'est qu'il y a une raison. Cette belle-mère, ce truc, il y a une raison. J'accepte, Hachem. J'accepte. Je comprends pas. J'accepte. Donc, ça, c'est la première étape. Maintenant, comment je le matérialise? Et sur ça, je vais vous laisser. Comment est-ce que concrètement parlant, je matérialise ça? Quand vous sortirez d'ici, Bezrat Hashem. Parce que ce que je vous dis là, pour l'intégrer, maman, ça ne se fait pas en 2 secondes. Parce que là, on est tous éduqués à vivre du contraire, à vivre constamment, non, j'ai raison, l'autre a tort. L'autre m'a fait une queue de poisson, c'est pas normal. L'autre ne m'a pas payé, c'est pas normal. Tout le monde, on est dans cet état d'esprit-là. Alors que non, tu dois dire, il t'a pas payé. C'est Oudatodaya, Mazaltov. C'est que tu n'as pas payé quelqu'un sur moi.
C'est que t'as pas payé ta dette, sûrement. C'est super qu'on ne paye pas. Grâce à ça, j'ai trouvé les pistes. Moi, je croyais que j'étais un tzadik. Hachem me dit, non, mon fils, il reste des choses à réparer. Normalement, je fais une soudain Behemet. Comme Machar qui va venir, ouvrir des séoudotes de fou. Qu'est-ce qui se passe? J'ai tout perdu. Arrête, ah, quelle chance. Ashrecha, Mazal Tov. Tout. Il me reste rien. Oh là là. Jackpot. Mamash, ça va être comme ça quand Machar qui va venir. Parce que les gens, ils vont vivre, ils vont voir que tout est pour le bien, Mamash. Chaque chose qui va arriver. Donc, pour arriver à ça, comment je m'éduque à ça? Bon, déjà, je vous conseille d'aller sur Joie de Vivre. La Joie de Vivre, il faut la travailler. D'accord? Joie, chiffre de vivre, par exemple. D'accord? Je vous conseille de vous inscrire sur la diffusion WhatsApp. On a une diffusion WhatsApp quotidienne. Parce que ce que je vous dis là, si vous ne le renforcez pas quotidiennement, demain il se passe un truc, le réflexe y revient. C'est comme dans les sports de combat, on fait des exercices pour que le moment du combat qui va durer 3 secondes, j'ai le bon réflexe, le bon mouvement pour pouvoir gagner. Auto d'avoir. Là maintenant, il vous faut créer un réflexe. Comment vous créez ce réflexe? Vous travaillez la même là tous les jours, mais surtout, vous allez prendre 5 situations, 10 situations. Vous écrivez sur une feuille, je parle de 10 situations douloureuses que vous avez dans votre vie. D'accord? Vous prenez des situations qui vous ont fait mal dans votre vie. L'homme chané. Prenez pas des trucs trop trop durs peut-être parce que vous n'êtes pas. Prenez des trucs voilà, qui vous ont dérangé. Si vous voulez trop dur, si vous vous sentez de le faire, faites-le. Le Rav dit, première des choses, sur ces 10 situations, avant de commencer le commencement, tu prends une situation, tu remercies Hachem. Aleph, avant quoi que ce soit. Tu prends 10 exemples, tu remercies Hachem. Et une fois que tu remercies Hachem, tu passes à l'étape 2. Hachem, si tu m'as fait ça, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, merci là. Pardonne-moi de ne pas l'avoir dit jusqu'aujourd'hui. Atat sadik al kalaba alay. C'est juste qu'on m'ait trahi, c'est juste qu'on m'ait viré, c'est juste qu'on m'ait volé, c'est juste. Et c'est moi qui ai dû fauter. C'est sûr que c'est moi qui ai fait l'erreur. Vous faites ça sur chaque situation. Et si vous sentez que vous avez le cœur trop lourd, vous continuez à remercier. Jusqu'à ce que vous sentez que votre cœur il s'apaise sur le dossier. Une fois que le cœur il s'apaise sur le dossier, là maintenant vous faites un jeu qui s'appelle Mais où est Charlie, façon version 2018. D'accord? Mais où est le Mida Keneged Mida? Et je demande à Shaval à lui. Il m'a volé comme ça, comme ça, comme ça. C'est quoi le message? C'est quoi l'allusion qu'il y a dans ma vie? Parce que ce qui se passe, c'est que s'il y a 18 ans, j'avais un problème que je n'ai pas réglé, aujourd'hui encore, je vais me le prendre ce problème, Razvé Shalom. Donc, l'exercice est le suivant. Prenez une feuille, 5 à 10 événements un peu douloureux. Vous commencez par remercier. Vous dites à Hachem que c'est juste et que c'est normal qu'il ait fait ça et que ça vous revient. Et ce n'est pas je mérite au sens culpabilisation, je me mets sur le. D'accord? Pas du tout. C'est. Je sais que tu m'aimes, et si tu l'as fait, c'est pour mon bien, et que tu veux m'amener quelque chose de meilleur dans ma vie. Maintenant, cette chose-là, je ne l'ai pas vue encore. Montre-moi quel est le Mida Keneged Mida. Tu es touché par le vol. C'est qu'il y a eu un vol chez toi. Mon Dieu, quel vol? Je ne sais pas, montre-moi. Je commence à chercher. Peut-être que je n'ai pas payé un employé en retard, c'est une forme de vol. Peut-être que j'ai été orgueilleux, c'est une forme de vol. Le Yoda, je commence à étudier le sujet, les Farhot. Je prends un livre, je vais sur des cours sur Internet. Je commence, en tout cas, je dis à Hachem, voilà, en tout cas, j'ai compris le message. Je prends le dossier en main. Je prends le dossier en main. Az, bekit sur machani omer, yesh targil, shtrech lasot. Ki yesh lanu chinuch afuchi. Chinuch shekol ha-chaim shelanu, anachnu lamadnu lirot et ha-itzedek shel ha-sheni. Et ha-itzedek shel kol ha-situatiot shehigi elenu. Achshav tzarech lasot targil acher, kede lafoch et ha-chinuch hazeh akum. Ma zeh ha-targil hazeh? Tikach daf. Tirsham shama. 5 מקרים, 10 מקרים, לא נעים לך. דברים שקרו לך ולא נעים לך ממש. קודם כל תכתוב אותם. דבר ראשון, אומר הרב ארוש, תתחיל להודות. תודה רבה שם. עשית את זה? זה ברור לטובתי. זה ברור כדי לעזור לי. אתה אוהב אותי. זה ברור שאם הוא גזל לי, אם הוא בגד בי, אם הוא עשה לי, אם יש לי כך וכך וכך. ברור, ברור. אני לא מבין, קשה לי אפילו, אבל אני יודע שמה שאתה עושה שטוב. אתה צדיק על כל הבא עליי, אמת, אסתיו, אני הכשעתי. קודם כל, כשאתה מרגיש, כשבלב שלך, זה לא כל כך כבד, וירד הכבדות על המקרה הזה. כי אם אתה נשאר עם הכבדות הזאת, זאת אומרת שאתה נשאר עם הרגשה שרע לך, ואתה נשאר עם הרגשה שיש רע בעולם, שהשם הוא לא צדק, הוא לא צדיק, אז אתה לא תקבל את המסר. אז תעבוד עד שירד את ההרגשה הרעה הזאת, וממש שתתחיל להאמין, כן, זה טוב. אני לא מבין, אבל זה טוב. ובטח ששם אוהב אותי, בטח. כשיש לך הרגשה כזאת, עכשיו אתה יכול לעשות את המשחק של החיפוש של המידה כנגד מידה. מה אתה רוצה ממני? גזלו לי, תראה לי איפה גזלתי בחיים של השם. אני מוכן לקבל את זה. שיקחו אותי, תראה לי איפה שיקחתי. אני מוכן לקבל. וכשאתה מוצא, בטח מה אתה עושה? תשובה, אתה עושה תשובה, אומר הגמרא ברכות,
Ozrim lecha isurim. Kizé amatara shelahem. Le horaire otra. Dès que vous finissez l'exercice, vous trouvez. Comment est-ce que vous savez que l'exercice est fini? Ben c'est simple, l'épreuve elle s'en va. Comment elle s'en va l'épreuve? Dès l'instant où je trouve le mida keneged mida, le mesure pour mesure, et que je fais tchouva dessus. Comme le Rambam il le dit, vidou, je reconnais l'erreur. Je demande pardon, je m'excuse, et je m'engage à plus recommencer, ou je mets un programme pour plus recommencer. L'épreuve elle s'en va. Tant que l'épreuve elle est là, même si vous me dites, mais j'ai fait votre exercice, et j'ai fait des doutes, et j'ai été à Ouman, et j'ai été chez le Rabbi, j'ai même été à la Griba, j'ai encore le problème. Comment ça se fait? Si le problème il est encore là, retenez cette règle. Avancez avec votre metziout. Dans la metziout, on continue à te voler, c'est que tu es encore relié au vol. Ne me dis pas, mais moi j'ai fait la Dakaïzon et Maaser et je suis un... Arrête avec ça. Arrête de chercher à vouloir avoir raison parce que tu n'auras pas raison devant Hachem. Ce bras de fer là, il est déjà perdu. Et je vous le dis, c'est ce qui fait qu'on perd du temps. Rabbi Nachman de Breslavi témoigne sur lui qu'il avait des milliers de chutes par jour. Sa grandeur, ça a été quoi? Il se relève direct. Il se relève. Vous savez ce que de se relever 1000 fois dans une journée? Vous savez la force qu'il faut de se relever 1000 fois dans une journée? C'est-à-dire que nous, on a une baffe dans la journée, 8 mois plus tard, on remplit la synagogue. Qu'est-ce qui s'est passé? Contrôle fiscal, des petits problèmes, c'est plus le moral. Rabbi Nachman, 1000 fois par jour. Les tzadikim, la vraie louange de nos tzadikim, c'est pas de dire tous leurs miracles. Parce que ça, c'est pas chouette qu'à leur niveau, qu'est-ce que c'est de faire des miracles? Leur vraie louange, c'est le combat qu'ils ont mené. Sachez qu'on peut tous être des sources inspirantes. Parce que quand vous menez un combat, vos enfants, ils vous voient, ils s'inspirent. Votre mari vous voit, il s'inspire. Le simple fait de mener le combat, le simple fait de se battre et de dire, hey, je me relève. Ok, j'ai pas encore trouvé le mida keneged mida. L'erreur, c'est de dire, j'ai trouvé le mida keneged mida. L'épreuve, elle continue, c'est injuste. Ma pitom. Ça, il faut enlever ce shaker de notre tête. Le monde, la metziyut, elle provient d'Hachem. Tout ce qu'Hachem, il fait, c'est émettre. Je suis relié encore aujourd'hui à quelqu'un qui manque de respect. C'est que je dois travailler sur le kavod. Peut-être que j'ai un problème de banane à Favero. Peut-être que je travaille sur la chose. Ça n'existe pas de dire, enlevez ça de votre tête. Quelque chose m'arrive et je ne suis pas responsable. C'est grave de dire ça. Quelqu'un maintenant, Chazé Shalom, qui dit ça, ce qu'il est en train de dire, qu'Hachem c'est un tyran, qu'Hachem il se fait des choses qui ne sont pas normales. Assourd de dire ça. Maintenant, encore une fois, s'il y a des dossiers qui sont trop lourds, alors vous allez intelligemment. Tant que le dossier est trop lourd, je commence. Parce que de toute façon, c'est une règle. Premièrement, je reconnais que ça va d'Hachem. Deuxièmement, c'est pour mon bien. Troisièmement, j'ai le message. Si vous ne suivez pas cet ordre-là, vous n'aurez pas le résultat. C'est ce qu'il explique dans le Jardin de la Foi, que je vous invite à lire. D'accord? Donc, Bezrat Hachem, qu'Hachem nous aide, Mamash, je me parle à moi, à faire ces exercices. Parce que bien que je le sais, ces choses-là, que je les ai entendues, rendues, que je les enseigne même, je vous assure, c'est dur. Mais une chose est sûre, ça m'est déjà arrivé de faire ce travail-là, méthodiquement. Méthodiquement. Une fois, je sors un jour de la Yeshiva de Pavé, j'avais été étudié là-bas, bon, Hachem. Je sors, je vois 2 PV sur la voiture. J'en vois pas un, j'en vois 2. C'est déjà ce que j'ai gagné en tant qu'avraire. C'est parti en 2 PV. Je vois 2 PV. Bon, merci HM. Je prends les PV, je démarre la voiture et la voiture elle commence à faire comme ça. Je dis, c'est bizarre. Je regarde, je vois un pneu crevé. Et je viens de me rappeler au même moment que j'ai changé un pneu il y a 2 semaines qui avait crevé, donc j'ai pas de roue de secours. Je dis, bon, je fais comme ça. Ah, j'ai oublié ma carte bleue. J'ai pas de carte bleue sur moi. Je sors mon téléphone pour appeler quelqu'un. Ils viennent de me couper le téléphone. Je suis en train de rouler comme ça, en train de dire merci Hachem, merci Hachem, Toda Rabba Hachem. Je sais pas où je vais, la voiture elle est truc, j'ai pas de moyen de m'en sortir. Et je commence à remercier comme ça, maman j'ai les dents serrées, c'est-à-dire merci Hachem, j'ai les dents serrées à ce moment-là. Mais de merci en merci, de merci en merci, Hachem il aide. Il voit que tu veux malgré tout t'accrocher, il voit que malgré tout tu veux tenir. J'arrive maintenant, donc en 2 secondes je me rappelle qu'il y a un Midas à côté, je vais au Midas. J'arrive là-bas, je demande à la patronne qu'elle envoie un texto à un copain à moi. Je continue à remercier tout ce moment-là. Je remercie, je cherche même pas à réfléchir. Je remercie. Elle envoie un texto. Mon copain me rappelle parce que je pouvais recevoir les appels, je pouvais pas émettre d'appel. Il m'avait juste coupé, d'accord, limité ma ligne. Je l'appelle, je dis, écoute, tu peux venir tout de suite, t'as de l'argent, etc. Il me dit, oui, j'arrive. Bon, Hachem, 5 minutes, il arrive. Bon, mais Hachem, il fallait pas changer un pneu, il fallait changer 2 pneus parce que c'était la loi. Quand il y en a un qui était, merci Hachem, ça, la facture, elle augmente. La facture, elle augmente. Je suis sorti de ce truc-là. Donc, en l'espace d'un quart d'heure, ma voiture, je suis reparti. Je dis, je laisse pas passer. C'est une des premières fois que j'ai commencé à faire ça. Je laisse pas passer. Je suis parti dans un endroit à 20 km de Paris. Je me suis dit, je vais aller régler ce problème. Parce que j'ai pas envie que ça revienne toutes les 2 semaines, encore un pneu. J'avais crevé un pneu il y a 2 semaines, j'en ai crevé un autre. Je vais m'arrêter, ça commence à coûter cher cette histoire. Et je suis parti, mamache, dans cette cavale-là de chercher le problème, mais j'ai aucune idée. J'ai des pneus le pneu crevé, les PV. En plus, c'était un événement spécial. C'est 2 PV plus un pneu crevé plus un téléphone coupé au même moment. J'ai un message. J'ai commencé avec. J'ai remercié et j'ai demandé à HM. J'ai commencé à lui parler d'un coup, je sais pas pourquoi dans mon île des doutes, j'ai senti que je parlais d'autre chose, aucun rapport. Je me suis laissé. Et d'un coup, putain, j'ai commencé à tomber sur un dossier. Je dis, ouais.
Un dossier là-bas. Et bon, Hachem, j'ai commencé à faire tchouva. Je dis, heureusement, j'aurais jamais vu un truc pareil. Parce qu'on est tous sûrs qu'on est quelque part d'être tzadikim. On est tous sûrs qu'on est. Ok, il y a des petits trucs à améliorer par-ci, par-là, mais quand même. Et là, je suis tombé sur des choses. Oh Hachem, j'ai commencé à faire tchouva. Oh Hachem, et je suis sorti de là-bas avec une simcha, avec une joie d'avoir vu le message d'Hachem. C'est ce que je vous souhaite à tous. Chazak. Chazak.